soul to find their fears allayed. Tried to make her love their own. They took her love, they left her there. They gave her nothing back that she would want to own. Gold and silver rings and stones. Ah, le premier œuf est quasiment déterré. Et les molos. J'ai jamais fait ça. Hein. Alors bon, la prochaine fois j'irai peut-être avec la bêche, mais là on fait ça au pinceau. Voilà, une croix. Les clodoirs. Allez, longue vie. Ocean gypsy, where are you? Shadows followed by the stars. I've turned to gold, turned to gold. Hop, on a tourné. Il est libre. Voilà. Je vais faire un peu de sous. Ah. Encore un œuf. Je ne sais pas combien il y en a, mais là, le troisième. Ah, un quatrième. Softly ocean gypsy calls, silent towards the stars a while. He smiles sadly for her when she falls. Just the time before the dawn, the sea is hushed, the ocean calls her. Je marque la partie supérieure de l'œuf. Il paraît qu'il ne faut pas aller retourner. Allez. Ocean gypsy, where are you? Shadows follow by the stars. I've turned to gold, turned to gold. Il en reste encore un. Apparemment, il y en a un cinquième. Donc voilà l'installation que j'ai faite pour fabriquer cet éclosoir. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis un petit peu documenté. Apparemment, il faut un environnement à 28-30 degrés avec beaucoup d'humidité. Donc ben voilà, un petit aquarium chauffé avec de l'eau à 30 degrés dessous. Et puis un récipient qui contient les œufs sur un substrat. Une petite plaque de verre pour pas que l'eau de la condensation tombe sur les œufs directement. Voilà, avec une petite planchette pour que ça surélève la plaque de verre. Une autre plaque de verre dessus. Voilà.
toujours pareil, légèrement en biais pour faire que les gouttes d'eau tombent directement sur les œufs. Voilà. Et puis on va attendre quelques semaines. Voilà.